Bonjour tout le monde. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ça va bien. Comment vous appelez-vous? De moi, c'est Sylafo de Kaba, connu sous le nom de Vichy. Tu vois ce corps? Ouais. Ben, c'est le même. Vous venez d'où? Je viens de Guinée-Conakry. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de venir en France et faire la France un incroyable talent? Parce qu'on suit l'émission depuis l'Afrique. Donc, on s'était dit que ça sera une grande opportunité pour nous de nous faire connaître partout en France et dans tout le monde. Et vous dites « on », donc vous êtes plus qu'un, vous êtes plusieurs? Ouais, nous sommes plusieurs. Nous sommes au nombre de 13. Oh, ok. Et vous avez rencontré vos camarades comment? Tout a commencé dans la rue. Chez nous, on descend chaque fois au bord de la mer pour s'entraîner. Donc c'est comme ça que moi, j'ai pu retrouver mes amis avec qui je suis là aujourd'hui. On est le cycliste Baobab. On a entre 20 et 33 ans. Nous venions tous d'une école de cirque de Guinée-Conakry. Et on est tous acrobates. Nous sommes tous des enfants issus de familles pauvres. Au départ, ça n'a pas été du tout facile. On n'avait pas assez de moyens pour y aller à l'école. Donc, nos aînés ont eu l'idée et ils ont créé une école de cirque qui a porté le nom Circus Baobab. C'est la rue d'abord qui nous a fondés. C'est la rue qui nous a poussés d'abord à faire le cirque. De pratiquer ce métier, c'est ça qui nous donne la vie, en fait. Et en plus, on ne va jamais abandonner la rue encore. On va rester toujours sur la rue, à continuer à bosser, comme d'habitude, en fait. Voilà, on n'oublie jamais d'où nous venons. Si on gagne le 100 000 euros... Ça sera pour construire une grande école, pour qu'on puisse donner la chance aux petits aussi, pour qu'ils puissent au moins connaître l'art du cirque. Je sais qu'à mon enfance, ça n'a pas été du tout facile. Mais aujourd'hui, c'est grâce à ce cirque, moi, j'ai pu quitter l'Afrique pour venir en Europe pour que je puisse réaliser mes rêves. Donc, ce que j'ai à dire aux enfants, de ne jamais lâcher, d'y croire toujours, de taffer, de se donner à fond. Le cirque, c'est un métier qui peut donner de l'avenir. Voilà. On a hâte de voir ce que vous allez nous présenter, donc. La scène est à vous. OK, merci beaucoup. Merci. Yeah.
super fort. Mais qu'est-ce que c'est? Que vient-il de se passer? Vous avez réussi à suivre quelque chose là-dedans? Quel foison, pas de corps, mais de figues. De talent. Circus Baobab. Alors, qui est le grand metteur en scène ou la grande chorégraphe de tout ce groupe? On a notre chef, Bacala. Bacala! Ah! Bacala! Et Richard aussi. Ah! Écoutez, j'ai un seul mot à vous dire. Bravo! Merci. Vous avez tout pour réussir. Le numéro était parfait. La contorsion, vous avez la gymnastique, la danse, le sport, tout est là-dedans. Donc merci d'être merci là. Merci. Alors c'était un feu d'artifice, ça partait dans tous les sens. Moi ce qui m'a bluffé, c'est que techniquement il y avait des choses très difficiles et très dangereuses, et pourtant vous avez eu le sourire du début à la fin, comme si c'était tranquille, alors que c'était tellement dur. Chacun a fait des exercices différents, chacun dans sa spécialité a pris des risques. Vous nous avez amené beaucoup de joie, beaucoup de sourires là. Merci. Je me demande si c'est pas le meilleur numéro de ce genre que j'ai vu depuis ces 8 dernières années. Merci. Il y a de la joie, il y a de l'amitié, il y a une famille, il y a du cœur, il y a énormément de travail, il y a de l'originalité, il y a une vraie écriture, il y a de la transpiration. J'ai pris un pied monstrueux, il n'y a pas une seconde de ce que vous avez proposé où je ne me suis pas pris de la joie, du bonheur dans le cœur. Et pour tout ça... Circus Baobab est déjà en finale. Bravo! Ngatuyo wafalabe, ngatuyo, ngatuyo wafalabe, ngatuyo, ngatuyo wafalabe, ngatuyo, ngatuyo wafalabe, ngatuyo wafalabe, ngatuyo wafalabe, ngatuyo. Bravo! Rendez-vous en finale! Les gars, on vote? On vote? Et des fois, il y a des gens qui ont des golden buzzers. Wow! Ça suffit le bonheur, la joie, ça suffit! Allez être heureux ailleurs! Ça repart! C'est sympa, hein?